2019, suite à l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, j'ai eu envie d'interpréter quelque chose avec la maîtrise de Notre-Dame. J'ai été évidemment, comme vous le savez, très touché, comme tous, par cet incendie, cette catastrophe de la cathédrale de Notre-Dame. Et c'est vrai que j'ai eu une pensée toute particulière pour ces choristes. Et donc j'ai eu envie de faire appel à eux pour interpréter l'Ave Maria de Schubert. Je suis très heureux de pouvoir les associer aussi à cet album et évidemment d'avoir une pensée toujours pour Notre-Dame. Jérôme Ducrot, mon plus vieux complice, puisque nous jouons ensemble depuis mes 15 ans, ça fait quelques années. J'ai tout d'abord rencontré Jérôme en tant que pianiste, et puis il est devenu ce merveilleux compositeur. J'ai joué beaucoup sa musique, que j'aime énormément. Et puis c'est vrai que lorsque nous avons évoqué ses transcriptions, j'ai tout de suite pensé à lui, car il connaît l'instrument, le violoncelle, à merveille. Et donc c'était vraiment une grande chance de pouvoir lui confier ses transcriptions. Et je crois qu'il y a pris un goût certain. La musique de Niemann, de la leçon de piano, est évidemment une musique que nous connaissons tous et que secrètement, évidemment, je jouais au piano, mais j'avais envie de l'interpréter au violoncelle. Donc là encore, c'est une transcription de Jérôme Ducrot. Cet album a bien sûr une saveur assez particulière pour moi. J'avais envie de partager avec vous ces œuvres qui me procurent toutes des émotions différentes, bien évidemment. Elles ont des saveurs différentes, des atmosphères différentes, mais elles ont tout un lien avec mon histoire, avec mon enfance, avec ma vie de musicien, ma vie d'homme de tous les jours, et donc je suis très heureux de les partager avec vous dans cet album. J'étais très heureux de retrouver l'Orchestre de Chambre de Paris et Adrien Perruchon pour cet album. Ils ont été absolument formidables dans cet enregistrement, parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup de concentration. Toutes ces pièces ont des univers très particuliers, très différents. Ces miniatures, il faut en quelques minutes, 3, 4, 5 minutes suivant les pièces, trouver le caractère immédiatement. Et donc c'est très délicat et ils ont trouvé des couleurs qui pour moi ont été extrêmement inspirantes pour cet album. Donc un grand merci à eux. Et un grand merci à toute l'équipe technique, évidemment l'Orchestre de Chambre de Paris, Adrien Perruchon à la direction, Jérôme Ducrot pour son piano, évidemment, et aussi toutes ses transcriptions, et également Warner Classics qui m'accompagne depuis tant d'années.